Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan Sobon dans ce témoignage puissant. Et ce témoignage puissant parlera d'un bar. Une personne va nous révéler des choses qu'elle a vues dans un bar. Franchement, vous serez surpris. Comment on transforme les bières ou encore les boissons en sang la nuit? Vous allez tout voir. Déjà, regardez à l'écran, regardez juste là-bas, juste à côté de la belle fille avec la bière dans sa main. Bon, je ne sais pas si c'est la bière, mais vous pouvez voir juste à côté d'elle, il y a une femme. Et cette femme, elle est là, elle a mis juste son doigt dans la bouche et on voit qu'il y a du sang qui coule sur ses lèvres. Que se passe-t-il? Est-ce que c'est un vampire ou un esprit? Une seule chose est claire, c'est que souvent la nuit, à partir de minuit, ce que les gens font dans leur boîte de nuit ou les bars, ça dépasse l'entendement humain. Beaucoup de personnes ignorent ce genre de choses et les personnes, même après le déconfinement, ne peuvent pas aller là-bas. Regardez ici, regardez ici. On voit des personnes qui sont sorties hier parce qu'on a dit que c'est le jour du déconfinement en France. Et ces personnes tout de suite sont venues s'asseoir juste au bord de l'eau. Certains bavardaient, pendant que d'autres buvaient la bière, la boisson. Qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, oh, on a trop duré de cette affaire de confinement. Vraiment, l'heure est venue, il faut que on se rattrape. Il faut qu'on rattrape ce qu'on a, on n'a pas pu avoir à cause de cette affaire de coronavirus ou de confinement. Du coup, les gens pensent encore à reprendre leurs anciennes vies. Les gens pensent encore à revenir sur là où ils ont vomi. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, si vous faites cette vidéo, c'est pour vous dire que c'est vrai. Vous avez besoin de vous divertir. Mais sachez dans quoi vous où vous mettez les pieds. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe dans ce monde, c'est terrible. Et cette personne ne va pas manquer de nous dire qu'il y a certains bars où, carrément, à partir de minuit, c'est la sorcellerie là-bas qui se fait. Parce que souvent, il y a certains membres du secte du diable qui sont propriétaires de bars. Et souvent, quand le mauvais esprit quitte le monde des ténèbres, ces mauvais esprits-là, ils aiment beaucoup aller dans de tels endroits. Même Dieu n'a pas manqué de nous dire que dans la vie, il faut faire la part des choses. Et il y a des gens qui sont propriétaires de certaines choses. Il a dit, donnez ce qui est à César à César. Et ce qui est à Dieu à Dieu. Ça veut dire qu'il y a certains endroits dans ce monde quand même qui appartiennent clairement au diable. Là même, aucun pasteur ne peut aller là-bas pour prêcher. Et ces endroits-là sont les endroits qu'on appelle aussi les bars. Du coup, si toi tu es un vrai chrétien, tu te dis, oh, moi je suis un chrétien, je crois en Dieu, et je peux aller dans les bars juste pour boire une sucrerie. Vraiment, je vais te dire que à partir du moment où tu vas entrer dans un tel endroit, sache en même temps que tu te trouves dans la maison d'un autre Dieu. Ce n'est pas le vrai Dieu. C'est comme si on te disait à l'entrée, bienvenue dans la maison du diable. Parce que là-bas, quand vous entrez là-bas, le Saint-Esprit ne peut pas vous accompagner jusqu'à dans le bar. C'est-à-dire que si le Saint-Esprit est un oiseau qui est collé à ton épaule, qui te suit partout, quand tu vas arriver devant le bar, parce que toi, tu dis que tu veux aller boire de la sucrerie, juste boire un petit truc. En tout cas, quand tu vas arriver devant le bar, ce qui va se passer, c'est que comme ce lieu-là n'est pas un lieu qui appartient à Dieu et que ça appartient à César, ce qui va se passer, c'est que le Saint-Esprit, que cet oiseau qui est sur toi-là, il va s'accrocher sur un arbre dehors là-bas pour t'attendre. Et te laisser entrer dans le bar. Puisque c'est toi-même qui veux entrer par ta propre intelligence, tu te dis que tu vas juste te divertir. Et quand tu vas entrer là-bas, tout ce qui va se passer là-bas, ça sera toi qui l'auras cherché.
ce sera toi qui l'auras cherché parce que ce n'est pas un endroit qui est censé accueillir des gens qui portent sur eux le Saint-Esprit. Et vous allez comprendre avec plus de détails dans ce témoignage puissant. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, viens nous aider. Viens nous aider à comprendre ce témoignage et à accepter une bonne fois pour toutes que nous devons te suivre en esprit et en vérité. Il n'y a que toi qui peux nous aider. Aide-nous aujourd'hui. Il n'y a que toi qui peux nous secourir. Viens nous secourir, Seigneur, toi l'éternel Dieu Tout-Puissant. Que tout ce qui est caché à nos yeux soit révélé, afin que nous ne soyons plus dans la confusion. Que ton épée se lève pour nous détacher de tous les mauvais esprits qui sont autour de nous, qui chuchotent à nos oreilles pour nous pousser à faire de mauvaises choses, même à pécher, Seigneur. S'il te plaît, viens nous aider. Nous crions à toi, nous ne sommes pas parfaits, nous avons encore nos anciens péchés, nos vieux démons. S'il te plaît, Seigneur, viens nous débarrasser de tout cela une bonne fois pour toutes. Viens nous remplir du Saint-Esprit et viens nous donner ta force. Le monde a traversé des temps difficiles. Voici que nous sommes sortis de cette affaire. Nous devons être forts pour la suite. Nous ne devons pas retomber dans nos anciens péchés. Nous devons carrément tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. Si toi tu n'es pas avec nous, Seigneur, qui va le faire? Si toi tu ne nous aides pas, qui va nous aider? Viens et descends dans la maison de chaque abonné, de chaque personne qui regardera cette vidéo. Que ta puissance, Seigneur, se déploie sur nous. Se déploie pour nous protéger contre les mauvais esprits et leurs plans. Tout ce qu'ils font dans le monde des ténèbres la nuit, que cela soit détruit au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait en secret contre tes enfants qui te craignent, même contre des innocents qui ne savent même pas ce qui se passe au nom de Jésus, que cela soit détruit. Descends dans les hôpitaux, souffle un vent de consolation, souffle un vent pour guérir les gens et libère-nous enfin de cette affaire, de ce problème. Et donne-nous la force de ne plus retomber nous-mêmes dans les choses qui risquent de susciter notre perte. Seigneur, viens nous donner ton esprit de discernement, afin que nous puissions savoir si ce témoignage puissant vient de toi ou pas. Parle-nous aujourd'hui et guide-nous tout au long de ce témoignage puissant sur notre bande. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Nous nous retrouvons dans le témoignage puissant et quand on parle de témoignage puissant sur notre bande, c'est extraordinaire, c'est chaud. Dès que vous trouverez à la fin de cette vidéo que vous avez bien compris le témoignage, pour nous donner cette information, cliquez sur j'aime. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo demain, abonnez-vous, activez la cloche. Vous pouvez également être un canal par lequel Dieu va parler au monde entier. Pour cela, vous pouvez tout simplement partager cette vidéo et commencer à sensibiliser les gens sur leur mauvaise vie. Aujourd'hui, il y a la prostitution. Regardez comme la jeune sœur est habillée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mauvaises choses. Et les endroits même où convergent de telles personnes aujourd'hui sont les bars. Et même les esprits les accompagnent. Bien évidemment, des mauvais esprits. C'est pourquoi nous sommes là pour entendre ça. Écoutez ça. Soyez prêts. Voilà, c'est le témoignage. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's go. S'il y a encore des frères et sœurs qui fréquentent encore les bars, c'est le moment d'essayer Non, cela. waouh! S'il y a encore des frères et sœurs qui fréquentent les bars, c'est le moment de cesser ça. Est-ce que vous avez entendu ça? Pourquoi parle-t-il ainsi? Vous allez tout comprendre. C'est parti. Moi, je vais seulement juste prendre un coca. Qu'est-ce que ça peut faire? Moi, tout mon Lubumbashi, mon boîte, moi, Yves. Chez nous, à Lubumbashi, il y a une boîte. Je ne cite jamais le nom. Mais t'as pas ma lame. Je vais te donner les signes. Cette boîte se trouve dans toutes les communes. Et toutes ces boîtes ont une même couleur. Quand on a fait
Si tu arrives là-bas, tu verras un dessin de quelque chose qui ressemble à une clé, si comme si c'était une main, mais les gens ne savent pas ce qu'il y a là-bas. Le propriétaire de ce bar, c'est le représentant de l'Ikari dans la province de Katanga. Maikari, ni secte ya ba sataniste, ku paka sa ville Rose Croix. Les Ikari, c'est Maikari, c'est une secte de sataniste qui est comme la Rose Croix. Hapana kwenda kuingia mu Maikari, haina kanisa ile banaombaka Mungu hapana. Maikari ni misa ya baloji banauanaka mule. Bako na Luka Bushiku. Mais mounye wa ile bar, njo alikuwa representant wa ile province ya Katanga. Maikari, ce n'est pas une église normale, c'est une église où tous les gens ont fait du mal. Mais le propriétaire de ce bar, c'est lui qui était le représentant de ces sectes ici au Katanga. Donc vous entendez ça? Ce bar en question là, un propriétaire. Et son propriétaire là, il est dans une secte. Et vous n'imaginez pas ce qui se passe. Si on doit sacrifier des gens, lui, il met son bar au devant et toutes les personnes qui sont à l'intérieur. Pour dire, ok, si vous voulez sacrifier les gens, il n'y a pas de souci. Moi, je sais comment je vais faire, puisqu'il y a des gens qui viennent dans mon bar, on va sacrifier certaines personnes. Vous voyez ce que ça donne? Waouh! Il est dessin à Riwekaka pour ma barrière qui est un symbole kabbalistique et esprit de nidité. Alors, les dessins qu'il avait mis sur ses bars, c'était les symboles kabbalistiques de l'esprit de nudité. Si tu entres dans ce bar, les habits sont restés à l'extérieur. Tu entres là-bas sans les habits. Et si toi aussi, un enfant de Dieu, tu vas entrer là-bas, la gloire de Dieu reste. Wow. Parce que tu ne vas pas prêcher, tu ne vas pas prier, tu vas dans l'ambiance. Et le Saint-Esprit n'aime pas de tels endroits. Et c'est là que tu seras en face avec les démons que tu as toujours chassés dans l'église. Si ça arrive, si on atteint minuit, les gens ne prennent plus la bière, mais ce qu'ils prennent, c'est autre chose. Les gens de Kenya m'ont donné raison parce que ce bar là-bas n'a plus de succès dans notre commune. Les gens n'y entrent plus. Et vous allez commencer à constater que vous prenez la bière, mais vous ne vous enivrez pas seulement, la tête va faire mal, mais arriver à 6 heures, c'est comme ça qu'il va vous donner la vraie bière. Wow. Vous voyez les mauvais cœurs qu'ont les sorciers. Ton argent. Tu vas là-bas, tu donnes l'argent pour payer, on te donne d'autres choses qui te font même des maux de tête. Les bars, ce sont des endroits où il ne faut pas entrer. Les femmes qui quittent le monde des cimetières, les endroits qu'elles préfèrent plus, ce sont les bars. Les femmes qui quittent le monde du cimetière, les endroits qu'elles préfèrent plus, ce sont les bars. Le monsieur a tenté de nous dire que lui, il a vu des femmes qui ne sont pas des femmes ordinaires. Ces femmes-là, elles quittent un autre monde et elles passent par le cimetière comme une porte pour venir dans notre monde ici. Et les premiers endroits où ces femmes, elles aiment beaucoup aller là, ce sont les endroits qui appartiennent à César, comme ce bar en question, les bars même. C'est-à-dire les endroits où, même pour pouvoir entrer là, tu n'as pas besoin de connaître une personne à l'intérieur, tu viens, tu t'assois tranquillement. C'est un truc de ouf, hein. Surtout les bars, ce qui se passe dans les bars la nuit. Hey! Moi, mais j'ai entendu parler d'une femme qui dit qu'elle travaille dans un bar ou là-bas là. Il faut se mettre nu. Il faut être nu. Si tu n'es pas nu, tu ne peux pas entrer là-bas. Ça, c'est quoi ça? Je pense que ça s'appelle même Adam et Ève, hein? C'est un truc de ouf. Voici le monde dans lequel nous sommes. On parle de nous, parle de déconfinement. Que va-t-il se passer après le déconfinement? Et Jésus, les gens chercheront à se rattraper. Mais toi, mon frère, sois intelligent. Sois intelligent et sache où tu mets les pieds. Amen. Amen. J'ai pris ma soeur, on a fait au revoir à la famille, nous sommes allés pour aller à Kin parce que demain nous devons rentrer, je dois aller au boulot.
bakotu bari furai waka pale tuku nenda ne mumotoka niko nasikia bikelekele bya kuchanda beko na pika beko na niremercier kibidi nkuyu wafu wako kwa kumuleta huyu mtu. Quand on était en train de partir vers l'aéroport, dans le monde des ténèbres, tout le monde était content, il y avait des cris de joie en me disant merci parce que tu nous as amené cet homme, cette femme. En fait, lui, sa petite soeur est venue le voir pour lui dire qu'elle veut voyager, elle va aller connaître la capitale. Ces gens, vous vous dites que comme vous aimez bien les bars, vous voulez aller à Las Vegas. Et du coup, vous venez voir un grand frère qui a de l'argent pour que lui puisse vous envoyer là-bas. Et lui, au lieu d'envoyer sa sœur là-bas, physiquement, il a décidé d'utiliser des forces mystiques pour faire voyager sa sœur. Donc, sa sœur va voyager en sorcellerie. Du coup, pour pouvoir le faire, il faut qu'il soit en collaboration avec plein de sorciers. Des sorciers qui vont créer un endroit qu'on appelle un aéroport. Et ça sera un aéroport de sorciers. Et dans cet aéroport-là, il y aura même des gens qui vont donner la nourriture, donner des boissons, comme ce qu'on a l'habitude de voir dans les aéroports, dans les avions, dans la télévision et autres. Mais le problème, c'est que tout ce qu'elle va consommer là-bas, ce sera des choses mystiques, comme la boisson, là, c'est le sang humain. La nourriture qu'elle était en train de manger, là, c'était de la chair humaine. Tout ça dans notre monde. Imaginez maintenant ce qui se passe dans les boîtes de nuit. Faites attention. Écoutez très bien cette partie. C'est elle-même qui avait ouvert la porte. C'est comme ça que dans la vie, tu dois regarder chez qui est-ce que tu dois demander une chose. Elle n'avait pas mal agi. Elle a demandé à son grand frère. Mais moi, son grand frère, j'étais dans une autre partie. Alors, je ne pouvais pas faire autre chose. Amen. Amen. Si vous vivez dans une même maison avec un sorcier, si toi tu pries beaucoup, si la prière dépasse des dimensions, Atama, il va déménager. Vous savez pourquoi est-ce qu'il va déménager? Parce que dans la maison où il y a un chrétien, au moment où on est en train de prier, toutes les portes ou toutes les issues seront fermées et les sorciers ne seront pas sortis. Tu dois rester dans une église où il y a la prière. Dans une église où il n'y a pas la prière, il y aura beaucoup d'infiltrés et même les gens qui ne sont pas de Dieu vont passer à la chair pour vous donner des fausses choses. On a pris la vie Lumumba, on partait toujours. Elle voyait qu'on était sur Lumumba, mais on était sur Mitoaba dans notre commune de Kenya. Et à partir du billet qu'elle avait tenu, c'est là qu'elle était un peu troublée. On est même arrivé à l'aéroport, elle voyait les avions qui montaient et descendaient. Elle se croyait à Luano, mais on était dans notre monde là-bas. Et là, sa soeur, elle arrivait à l'aéroport parce qu'elle est vraiment dans un aéroport. Elle était transportée dans le monde des sorciers. C'est comme ça qu'elle était en train de manger la viande des hommes sans les savoir qu'elle était en train de les faire. Amen. Amen. Et les hôtesses qu'elle voyait n'étaient que des cuisiniers qu'on utilise dans le monde de la sorcellerie. Vivre avec quelqu'un dans la vie, ce n'est pas mauvais, mais tu dois faire un effort pour connaître son état d'âme. Je n'avais pas de pitié pour elle en disant que c'est ma soeur. Non, non. Comme moi, j'étais dans un autre camp, je devais faire cela pour encore augmenter mes pouvoirs. Écoutez l'église, un sorcier aime toujours évoluer, augmenter des dimensions. Mais nous les chrétiens, nous aimons à un moment donné régresser.
anona komini ya Lingwala, mkomini ya Lingwala njomu nekalaka hiri tenise bana mubamba na foto pale, tunajunguluka na ifashi yote, anakuria makamundele, unawa makamundele, ile mamicho kuwa wakinoba nekaka tumamichi ile, biyote anakuria anona mambo yote, kisha 7h tunarudia Lubumbashi. On était dans la commune de Ngwala, là où il y a la RTNC, elle a même mangé les brochettes, elle a tout fait, nous sommes même rentrés à Lubumbashi. Mukini yote, nkena yote liwa sarwa Kinshasa. Et tout le monde, toute la commune de Kenya savait que ma soeur était à Kinshasa. Mais apa nisha kuamini, ilikuwa ni mu 2004, nilimoneshaka hii mambo, tunakuisemesha na hii mu 2008, alifanya 4 ans kwanzoni na mukini. Au moment où je me suis déjà converti, je lui avais dit ça en 2004, et on a fait 4 ans, on ne causait pas, elle ne me saluait même pas. Vous avez entendu ça? Et finalement, quand lui, il a été délivré de la sorcellerie, ou du satanisme dans lequel il est entré, il s'est finalement confessé à sa sœur pour lui dire que l'endroit où tu as pensé que tu t'es allé, du genre tu dis que tu vas voir Las Vegas là. Vraiment, c'est pas à Las Vegas où on est parti. Nous sommes allés dans le monde des sorciers et tout ce que tu as mangé là, c'était du grand n'importe quoi. Elle dit, mais quoi, sérieux? De quoi tu parles? Nous, tu m'envoies dans le monde des sorciers, sérieux? Elle a fait 4 ans sans parler avec lui. Waouh! Vous voyez comme c'est mauvais. Tu vas prendre ton argent. Ça veut dire que tu vas entrer dans tel endroit pour acheter peut-être de la boisson ou de la nourriture. Eux, ils vont te vendre autre chose. Autre chose. Tu prends ton argent. Tu vas marcher. Tu dis que tu vas acheter de la viande. On te donne de la viande humaine. Et la nuit, dans ton sommeil, ils viennent te poursuivre même à cause de ça encore. Le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde méchant. Un monde très, très méchant. Mais vous avez vu ce qui s'est passé avec cette affaire de virus, coronavirus. Comment les gens peuvent créer un virus et puis balancer comme ça dans le pays? Juste pour que les gens puissent mourir. Maintenant, les gens sont morts. Qui va payer maintenant? Qui va payer pour tout ce qui s'est passé? Ils vont tout faire pour éteindre le feu. Et les gens vont vaquer les occupations. Mais vous, soyez prudents dans la vie. Soyez prudents dans la vie et restez éveillés. Que tout ce que le monde traverse vous serve de leçon. Transmettez toutes ces informations à vos enfants, afin que vos enfants ne fassent plus les mêmes erreurs. Aller dans les bars, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est l'esprit qui se trouve là-bas. Si vous y entrez, vous risquez de perdre la gloire de Dieu. Et ce qui va se passer là-bas risque de ne pas vous amener au paradis. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo, pour vous prévenir d'avance, pour vous dire, faites attention à vous. Sachez où vous mettez les pieds désormais. Vous êtes, on parle de confinement. Après le confinement, sachez où vous mettez les pieds. Nous sommes en famille sûre. Et on se reborde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la. Abonnez-vous. Laissez votre j'aime. Et rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Que Dieu bénisse.